Salut, donc on va voir le dernier point dans le quatrième chapitre, effet de mise en forme d'un texte. Voilà, par exemple, on va utiliser un texte, par exemple ce texte. Puisqu'on parle bien sûr des effets, donc il y a deux emplacements, l'itérieur et le mot-tiret, les effets. Donc on peut directement utiliser cette petite icône qui se trouve dans police, dans toujours accueil. Voilà, pour chercher bien sûr les effets, par exemple. Remplissage dégradé, violet, accentuation 4, réflexion. Aussi, remplissage dégradé orange, accentuation 6, ombre intérieure, etc. Mais il faut faire attention si, bien sûr, on veut un effet qui est, bien sûr, avec un pourcentage. Donc, il faut chercher, par exemple, dans les plans, etc. Et d'accord, et comme ça, on va trouver. Violet olive, accentuation 3, plus clair 40%. Voilà, ça c'est la première méthode. Deuxième méthode qui est bien sûr la méthode la plus utilisée, la plus professionnelle, c'est de cliquer dans cette icône et dans la fenêtre police, on voit tout à fait en bas, on trouve effet de texte. Voilà, donc remplissage dégradé, la couleur. On va chercher la couleur demandée, par exemple, orange, accentuation 6, plus sombre, 25%. On ferme. Et on peut aussi ajouter des effets comme barré, barré double ou bien masqué. Et comme ça, voilà, on a appliqué, bien sûr, les effets demandés ou bien voulus. Merci.